And it's time. Un instant. Connectez-vous. Je ne serai pas long. Un instant. Je vais juste mettre. Je trouve qu'il n'y a pas assez de lumière. Je vais juste rajouter un peu de lumière. Voilà. Il n'y a pas assez de lumière. Je vais juste rajouter un peu. Connectez-vous. Connectez-vous. Ce soir-là, je veux parler à ma petite soeur Aya Robert. Oui. C'est qu'elle et moi. C'est un non-retour. Elle va voir, elle va se fâcher, mais il faut que je lui parle. Voilà. Il faut qu'on se parle. La grande soeur, petite soeur. Voilà. Coucou famille. Comment allez-vous? Vous allez bien? Bienvenue sur la page Line Fashion Communauté d'entraide. Ici, on parle de tous les sujets qui concernent notre vie de tous les jours. Ici, on parle de buzz. Ici, on parle des faits de société. Ici, on parle de l'actualité. Mais aujourd'hui, je me suis connectée. Pas parce que je veux parler de buzz, mais je veux m'adresser à ma petite soeur Aya Robin. Oui. Les gens vont me dire que il y a une situation qui prévaut en Tunisie. Cette situation en Tunisie, là, mes collègues blogueurs ont parlé de ça. Et comme moi, je me connais, je sais que si je parle là, je risque de déborder. Parce que je n'ai pas envie que... Je n'ai pas envie de me retrouver en prison. Parce que quand il est parlé là, c'est mon cœur qui va parler. Parce que ce qui se passe en Tunisie là, c'est pas correct, c'est pas normal, ça ne se fait pas. Et puis ça date de depuis il y a longtemps. Donc là, il fallait cette sonnette d'alarme là pour que nos autorités réagissent. Donc je sais que nos autorités sont en train de réagir. Mais je condamne avec la dernière énergie ce qui se passe en Tunisie. Mais ce soir, j'aimerais m'adresser à ma petite soeur Aya Robert. Taguez-la moi. Voilà. Taguez ma petite soeur Aya Robert. Parce que je vois sur des pages des gens qui applaudissent, qui encouragent l'acte qu'elle a posé. Les gens vont mettre tête de mort, ça c'est pas mon problème. Aya Robert, ma petite soeur, elle va voir, elle va pas m'aimer. Peut-être qu'elle va dire, elle parle plus à moi. Mais je ne veux pas faire partie de ces lâches-là. Je ne veux pas faire partie de ces lâches qui n'ont pas le courage de parler à Aya Robert. Mais on peut lui parler dans le respect, est-ce que vous comprenez? Je ne veux pas faire partie de ces lâches-là parce que c'est une personne que moi j'aime et j'ai assumé sur les réseaux sociaux. Oui. Les gens vont me dire, non, pourquoi tu ne lui parles pas en inbox? Non. Ma petite soeur ne peut pas écouter actuellement en inbox. Là. Non. Où elle est lancée? Où ma petite soeur Aya Robert est là? Elle est lancée. Mais moi, je suis venue ce soir pour lui parler. J'ai 20 minutes pour parler à ma petite soeur et puis je dois vaquer à mes occupations. Donc, taguez-moi Aya Robert. Dis Marie, oui. Moi, j'aime l'appeler Marie. Je ne sais pas pourquoi. Tout à l'heure, j'ai mis un commentaire sur le post de Diva de Paris. J'ai dit à Diva de Paris, Diva, tu vas m'excuser, je n'ai rien contre toi. Je n'ai pas de problème contre toi. Mais je sais que je n'ai pas de problème avec toi. Mais je sais que tu es là, camarade de Aya Robert, qui est ma petite soeur. Mais parlons vrai, parlons peu. Si vous aimez vraiment Aya Robert, vous n'allez pas l'encourager dans cette histoire-là. Oui. Je vais m'expliquer. Marie, si tu veux là, ne parle plus à moi, ne m'adresse plus la parole. Si tu veux là, ne m'adresse plus la parole. Tu es libre. Tu es libre de donner ton avis. Si un buzz qui vient sur la toile, tu es libre d'aimer qui tu veux. Mais là, il faut qu'on te dise attention à ce que tu fais. Parce que là, tu es en train de pousser le bouchon loin. Oui, moi je te le dis. Tu es en train de pousser le bouchon loin. Tu es libre d'aimer José. Et tu n'es pas la seule à aimer José. Parce que moi, José, là, je l'aime en tant qu'artiste. Oui, ça je le dis. Je ne serai pas hypocrite. Comme certaines personnes qui la critiquent, pourtant au fond, il aime. Mais moi, je dis, l'autre côté, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est tout. Maintenant, ici, là, il faut qu'on situe les choses dans leur contexte. On n'est plus au stade de dire à serrer Dieu de rester forcément avec Alim. On n'est plus à ce stade-là. Mais simplement, ce qu'on dit, il faut que José et puis serrer Dieu respectent Alim et qu'il fasse profil bas. C'est de ça que nous, on parle. Mais Aya Robert, moi, je vais te rappeler parce que peut-être que tu as oublié, tu as vite oublié Aya Robert. Tu as vite oublié. Et ce qui me fait mal dans l'histoire, c'est que
C'est Yaka Yaka toujours qui vient nettoyer. C'est Yaka Yaka toujours qui va vers ces personnes pour demander pardon. Rappelle-toi, Marie. Tu es une personne, tu n'aimes pas l'injustice, Aya Robin. Tu es un peu comme moi. C'est pourquoi dans cette histoire de Aline et puis Sérédier, tu me vois, je charge. Je charge. Attendez, je vais enlever les marabouts là. Je charge parce que on ne veut pas respecter nos valeurs. Est-ce que tu comprends? Tu n'aimes pas l'injustice parce que pour toi, tu vois de l'acharnement sur José. Mais si tu t'assois bien, que tu réfléchis bien, tu vas comprendre que ce n'est pas José qui est la victime ici. Tu vas comprendre que l'acte que José a posé n'est pas bien. Et tout ce qu'on demande à José, on ne l'empêche pas de vivre son amour. Mais on dit de respecter cette femme. Regarde, tu as chargé une première personne ici, je ne vais pas dire son nom. Tu l'as chargé corps et âme. Toi-même, tu sais ça. Tu as chargé cette personne jusqu'en... Ils t'ont envoyé devant les tribunaux. Pourtant, avant ça, là, Yaka Yaka de Paris est en train de te parler. Tu n'as pas écouté. Il te disait qu'il ne sentait pas cette personne-là. Mais tellement tu es une personne vraie, quand tu aimes quelqu'un, tu montes cela, tu montes ton amour à la personne. Toi, tu es sincère, mais les autres qui sont en face ne sont pas sincères souvent. Tu as chargé cette personne, Aya Robert, et puis tu t'es trouvé au tribunal. Nous-mêmes ici, on n'a pas dormi à cause de ça. Nous-mêmes ici, on a mené des combats, pas parce que tu nous as envoyés, mais parce qu'on a de l'amour pour toi. Est-ce que tu comprends? On a de l'amour pour toi. Quand on a vu les gens venir te vilipender sur la toile, c'est pas parce que tu nous as envoyés, hein? C'est pas parce que le fait qu'on parle de toi, ça va nous donner, te défendre, ça va nous donner une visibilité. Parce que moi, ceux qui me connaissent là, ils savent que je n'aime pas l'injustice. Et l'injustice fait que souvent là, je suis têtu, je n'écoute pas. Mais Aya Robert, ce que tu as fait là, ne fais pas ça. Yaka Yaka, t'as parlé mordicus, non, tu dis ma star, ta star là. Vous vous êtes retrouvé au tribunal. Tu as chargé son affaire André Bagage. Quand tu as fini là, tu allais charger pour Ivy Dero. Donc pour Ivy Dero là, c'est arrivé si Bleu Brigitte. Yaka Yaka est parti encore demander pardon. Et la dame t'a pardonné dernièrement. Nous tous on a pris, on a posté sur nos pages. On a dit merci. Mais Aya Robert, ce qui s'est passé avec Bleu Brigitte là, ça doit te servir de leçon. Ce qui s'est passé avec Ivy Dero là, ça doit te servir de leçon. Ce qui s'est passé avec ta première star là, ça doit te servir de leçon. Tu vas venir charger encore problème des gens. Jusqu'à affaire de tribunal va quitter sur toi, tomber sur toi encore. Pendant que Yaka Yaka de Paris, en train de nettoyer, en train de demander pardon, tu t'es excusé auprès des de choses qu'on appelle. Pourquoi son nom m'échappe? Tu t'es excusé auprès de choses, Daisy. Mais les gens n'ont pas compris que la dernière fois, quand Yaka Yaka a tout fait pour croiser Daisy là, c'est vrai. Il voulait prendre un poids avec Daisy. Mais c'est quelque part pour toi aussi. Pour aller parler à Daisy. Pour dire à Daisy que vraiment, ma petite soeur, ma chérie, la mère de mon enfant, elle est désolée. Je te demande pardon. C'est que Yaka, pendant que Yaka Yaka se plie en quatre pour nettoyer en bas de toi, toi tu vas venir encore à chaque fois t'attirer des ennuis. Et puis les gens vont venir te dire que non, que tu es la reine Poutine. Non, quand tu allumes cette... Aya Robert, c'est pas allumé. C'est pas allumer le feu. C'est te créer encore des embrouilles. Tu as déjà eu des... C'est que tu as eu des histoires avec plusieurs personnes. Tu as demandé pardon. Yaka Yaka t'a aidé à demander pardon. Il continue de demander pardon. Toi, tu vas aller encore pour dire que tu es la Poutine. Je ne sais pas c'est quoi tu veux montrer encore sur les réseaux sociaux que les gens ne savent pas. Nous tous, on sait que ici, là, tu es plus que Colombo. Nous tous, Aya Robert, on sait que toi, là, si tu étais parti à l'école, même à l'école de droit, là, tu allais démasquer des choses. Nous tous, on sait que toi, là, quand tu décortiques les choses, là, tu décortiques jusqu'à là où nous autres, on ne voit pas, là, toi, tu vois. Mais ça, là, c'est quoi, sincèrement, Aya Robert? Si je m'étais, c'est que je suis hypocrite. Si je m'étais là, c'est que moi, je ne t'aime pas, Aya Robert. Pourquoi tu veux toujours te créer des ennuis? Tu as parlé. Tu as défendu José à ta manière. Mais tu vas venir encore venir dire à chose, aux gens que Aline a trompé Sérédier. Tu as les preuves.
Si demain on t'amène au tribunal, là, tu pourras répondre. Aya Robert. Et puis Diva va te dire, ma camarade, tu es la poutine. Tu as allumé. Tu n'as rien allumé, Aya Robert. Tu n'as fait que te créer des ennuis. Si tu ne veux pas penser à toi, pense à notre bébé qui est là. J'ai l'impression que quand tes génies là, arrivent là, souvent tu ne veux pas calculer les choses. Aïe! Tu as te lever comme ça, tu as dit que tu as fait sortir Aline de sa tanière. Et tu viens dire des propos vraiment graves. Et puis la fille te demande, la femme, la bonne dame te demande, tu as les preuves. Et que ce film-là, vous allez terminer ça. Et puis ses parents vont venir produire un communiqué. Aya Robert, les parents d'Aline viennent produire un communiqué. Et puis ils te disent, proverbe à quand? Pourtant toi-même tu as quand? Tu es baoulé. Ça ne t'interpelle pas. Et puis toi, tu as continué à te glorifier pour dire que non, tu es trop forte. Toi, tu es la poutine des réseaux sociaux. Quand tu allumes, on ne pleure pas. Aya Robert, dans cette histoire-là, c'est toi qui as pleuré. Dans cette histoire-là, c'est toi qui as pleuré. Parce que si les parents d'Aline vont loin là, pour dire que tu as diffamé sur les filles là, c'est toi qui as pleuré dans cette histoire-là. Non, au bout d'un moment, il faut arrêter Aya Robert. Il faut arrêter Marie, c'est quoi? Toi-même, tu es en train de nous dire dernièrement là, que toi, tu as décidé de ne plus parler, que nous, il ne faut plus, on va parler. Maintenant, toi, à chaque fois, tes sorties sont catastrophiques. Si les gens n'ont pas le courage de te dire, moi, je vais te dire, oh, ah. C'est pas parce que tu aimes José que ça va te donner le droit de venir diffamer si Aline. Si Serré Dieu n'a pas ses couilles pour venir assumer sa bêtise, José, lui, c'est pas toi qu'on va envoyer. Donc, toi, tu vas être le mouton du sacrifice tous les jours, quoi. C'est toi, les gens vont utiliser pour venir faire les sales besognes. Et puis, c'est toi qui as payé les pots cassés. Et puis, les gens, tes first class, les enjaillés qui t'aiment là, eux, ils vont prendre. C'est-à-dire qu'eux, ils seront là pour toujours ramasser. Donc, les first class là, que tu dis que tu as les valoriser, ils sont avec toi là. Toi, tu ne penses pas à eux. Toi, tu allais te mettre dans des bêtises. Toi, tu es devenu maman. Les gens t'ont insulté sur la toile ici. Et puis Dieu a fait ton palabre. Dieu a fermé la bouche de ces personnes-là pour dire que tu n'as pas vendu cimetière. Dieu t'a fait grâce, tu es devenu maman. Où tu dois gagner encore en maturité. Toi, Aya Robert, tu vas venir maintenant allumer quoi? Allumer quelle télécommande? Donc toi, tu vas allumer télécommande pour venir encore te mettre dans la boue, pour venir encore te mettre dans la bouche des gens. Le bébé qui est né là, il n'a pas besoin de ça. Ça là, tu as fait quand tu n'étais pas encore maman. Maintenant, tu es devenu maman là, tes priorités ont changé, Aya Robert. Tes priorités ont changé, Marie. Arrête-moi ça. Si tu veux là, après sort, clash-moi. Mais c'est une grande soeur qui t'aime qui te parle. Tous ceux qui sont à côté, ils ne t'aiment pas. Ceux qui te disent que tu as allumé la télécommande, tu as la reine Poutine, ils ne t'aiment pas, Aya Robert. Yaka ne va pas rester en train de nettoyer en bas, aller demander pardon. Jean, puis toi, à chaque fois, tu vas venir multiplier les mêmes erreurs là. Donc, l'erreur avec chose, Bleu Brigitte là, pour Yvi Dero, ça ne t'a pas servi de leçon. Tribunal que tu as fait là, ça t'a pas servi de leçon, Aya Robert. Mais qu'est-ce que c'est? Hein? Et puis je vais voir une diva là-bas qui a venu te dire que hey, ma camarade, tu as la poutine. Ça là, c'est pas. Faut pas te glorifier dans ça là. C'est quoi? Les first class sont derrière toi, les enjeux sont derrière toi. Ils sont contents. Parce que l'opprobre que les gens ont voulu mettre sur toi en disant que tu es femme stérile, Dieu a enlevé, a essuyé tes larmes. Tes first class t'ont poussé, tu as eu terrain dans le jeu de choses, comment on l'appelle? Émission des blogueurs, concours des blogueurs. Les first class t'ont poussé. Les candidats tournés, tous ceux-là sont derrière toi parce qu'ils t'aiment. Toi, t'aimer là, c'est naturel. On ne fait pas exprès de t'aimer. Mais qu'est-ce que c'est Aya Robert vers la fin? Il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Marie? Il y a quoi? S'il n'y a pas les gens pour te dire la vérité, moi, je te dis la vérité. Donc tout ce que Yaka en train de faire pour demander pardon aux gens avec qui tu as eu les premiers, quand il s'est plié en quatre pour aller demander pardon à Bleu Brigitte. Depuis combien de temps il est en train de demander pardon? Il fait mains et pieds pour aller en bas pour demander pardon aux gens. Il donne même des codes phares, des jeux de phares même. Même au Mola, tout ça. Pour s'assurer que demain quand tu vas partir en Côte d'Ivoire, il n'y a plus plainte contre toi. Yaka fait tout ça. Mais toi tu dis non. On n'a qu'à dire que tu es la Poutine. Mais le président Poutine, tu sais ce qu'il vit? On t'a dit qu'il dort comme ça? Hein? Mais la maternité,
là, ça donne la maturité, la sagesse. C'est quoi? Et puis dis-moi aussi, tu vas venir s'asseoir, ma camarade, mais tu as la reine Poutine. Ça, c'est pas la reine Poutine. Arrête ça. Arrêtez-moi ça. Elle est libre d'aimer José. Oui. Mais venir diffamer si quelqu'un comme ça, ça ne se fait pas. Non, je ne suis pas en train de dire qu'un attaque. Non, je ne parle pas de ça. Mais ça, vous ne pouvez pas savoir combien de fois ça me brûle en fait. C'est-à-dire que tu t'en vas sur les pages, quand tu vois qu'on insulte, ça fait mal. Même moi, sur ma page, les gens qui insultent Aya Robert, j'ai commencé à les bloquer. Parce que je ne veux pas qu'on insulte, c'est ma personne. Mais il faut avoir le courage de dire à ta personne d'arrêter ça. Il faut avoir le courage de dire à ta personne de ne pas faire ça. Il y a quoi? Dieu t'a béni. Dieu t'a gratifié. Dieu t'a élevé pendant que les gens pensaient te rabaisser. Les gens t'ont insulté ici. Les gens t'ont traité comme un déchet. Nous, on avait mal. Maintenant, toi, tu vas venir rabaisser une autre femme pour donner à une autre. Et puis, tu rabaisses même Aline pour donner à José même qui a fauté. Au point même où tu as fait sortir la famille. Et puis, ils vont te dire un proverbe à Caen. Pourtant, toi-même, tu es à Caen, tu es baoulé. Ça doit t'interpeller. Tu ne dois pas te glorifier de ton acte. Ce n'est pas parce qu'on t'a appelé pour te dire de supprimer, c'est que c'est parce que les gens ont peur de toi. Ce n'est pas parce que Aline a peur de toi. Si Aline veut te poursuivre, Céré et puis José ne vont rien faire pour toi. C'est moi qui te dis ça. C'est quoi? Moi je ne cache pas. Je suis du côté d'Aline. Mais ça ne va pas m'empêcher de dire la vérité. On est du côté d'Aline, pas parce qu'on veut que Céré Dieu se remette avec Aline. Mais on dit à José puis Céré Dieu de faire profil bas. Moi, je suis honnête. Et les personnes intelligentes vont comprendre mon message. Vous n'allez pas venir couvrir la bêtise de José en diffamant Aline. Vous avez les preuves. Jusqu'au point où la famille, où Aline même sort d'abord. Hein? Les gens n'ont pas le droit d'insulter José. Les gens ont le droit d'exprimer leur mécontentement. Mais ils n'ont pas le droit d'insulter José. Ça, je suis parfaitement d'accord avec vous. Les gens n'ont pas le droit d'insulter José jusqu'à dans son intimité. Ça, je ne cautionne pas. Les gens n'ont pas le droit d'insulter José. Les gens peuvent dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils n'ont pas le droit de la juger. Ils n'ont pas le droit de l'insulter. Mais quand même, ce n'est pas parce que vous voulez à tout prix qu'on respecte José que vous allez dire que Aline a trompé Céré Dieu. Parce que si on veut partir dans la tromperie, là, c'est José elle-même qui a dit. Et Céré Dieu elle-même qui a dit qu'elle était avec Stéphane. Elle était avec Stéphane et puis lui. Même Arafat disait que Céré Dieu était son mentor. Pendant un an et puis après elle a choisi. Donc si on veut parler des femmes infidèles, on va commencer par José. Mais ça ne vous donne pas le droit de venir salir. Parce qu'en salissant Aline, vous salissez la famille d'Aline. Ce n'est pas parce qu'elle ne parle pas que ça veut dire qu'elle est mouton. Les parents ont parlé. L'eau qui est calme là, ça c'est proverbe même. Ils ont dit proverbe à Caen. Demain quand Aya Robert va porter plainte contre elle, et puis ça va arriver loin, puis demain ça va devenir tout ça. Vous qui êtes en train d'encourager Aya Robert là, vous serez où? Est-ce que quand elle est partie au tribunal là, c'est vous qui avez payé ses frais d'avocat? Est-ce que quand elle est partie au tribunal, elle devait se défendre, tout ça, elle ne dormait pas là? C'est vous qui l'avez soutenue? Ayez le courage, si vous aimez votre personne, ayez le courage de lui dire. J'ai dit que Aya Robert a mal fait. Non! C'est pas parce que tu. Depuis Aya Robert défend José là, qui est venu dire quoi? Mais de là, venu dire que Céré Dieu a laissé Aline parce que Aline est infidèle jusqu'à ce que Aline même sorte. C'est-à-dire que quelque part, Aya Robert n'a qu'à vérifier ses sources. Parce que quand deux personnes sont en parlable, on vous dit tous les jours. Quand deux personnes sont en parlable, il faut écouter la version des deux personnes. Aya Robert, est-ce que tu as pris le temps d'écouter la version d'Aline? Depuis que ça se passe là. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est la version de José, nous tous on connaît. Et c'est ce qui fait que nous on sort. C'est par rapport aux agissements même de José qu'on sort. Nous tous on avait oublié José il y a longtemps.
On avait oublié José. Il y a longtemps, on a oublié José. C'est elle-même qui est venue se donner en spectacle. Avant ce dernier concert, elle avait fait d'autres concerts. Est-ce que les gens parlaient de ça? Est-ce que les gens sont sortis pour venir insulter José? Mais tu aimes ta personne, dis-lui la vérité. Mais les gens sont venus te dire que non, que c'est parce qu'Aline a trompé. On t'a dit que moi-même qui suis ici, là, les gens ne sont pas venus me dire beaucoup de choses. Les gens sont venus me dire beaucoup de choses. Même des femmes de Dieu sont venues me parler. Des femmes même qui connaissent le dossier, même sont venues me parler. Vous m'avez vu, je suis sortie pour venir parler. Je vous ai dit, quand les gens viennent pour vous donner les informations, faites très attention. Aya Robert, il faut penser à notre bébé qui vient de naître là. Il faut penser à Yaka Yaka qui fait tout le travail pour demander pardon pour toi. Il faut penser à ce que tu as vécu, à ta star, jusqu'à ce que tu t'as emmené au tribunal. Il faut penser à ce qui s'est passé à un moment, Bleu Brigitte. Yvie Dero. À chaque fois que tu charges quelqu'un, c'est toi qui te mets dans les problèmes. Ça doit t'interpeller, Aya Robert. Diva de Paris, si tu as mis Aya Robert, aie le courage de lui dire la vérité. Arrête de lui dire qu'elle est la reine Poutine, qu'elle allume. Elle allume quoi? C'est quoi elle allume? Elle s'est créée plutôt des problèmes. Il faut lui dire la vérité. Aie le courage de lui dire. Elle s'est créée des problèmes. Marie, c'est des problèmes que tu t'es créé. Si la famille ou même Aline décide d'aller jusqu'au bout, si tu n'as pas envoyé preuve de ce que tu es en train de dire, faut pas dire que non, c'est telle personne qui m'a dit. Parce que tu n'as pas filmé la scène. Tu n'as pas intercepté les choses, les mails, ou même les choses comme un SMS. Tu n'étais pas là. Voici Love Gugu. Vous avez dit, elle est au tribunal, mais elle a les preuves. Mais il y a des preuves, ils n'ont pas pris. Vous-même, vous avez dit ça. Les gens viennent te parler là. Ce n'est pas partout on charge, Aya Robert. Ce n'est pas partout on charge. N'insultez pas Aya Robert, s'il vous plaît. Ne l'insultez pas. C'est ma petite soeur. Non, au bout d'un moment, il faut que ça suffise. C'est bon comme ça. Ça suffit maintenant. Hey, tu as toujours te mettre dans le problème, Aya Robert. Toujours, tu as chargé le problème des gens, puis ça te conduit au tribunal. Parce que là, ce que les parents d'Aline ont dit, là, ils disent qu'ils ne vont pas laisser. Hein. Ils disent qu'ils ne vont pas laisser. C'est ce qu'ils t'ont dit. Et ils ont laissé Proverbe à quand? Elle t'a même dit. Même Bleu Brigitte t'a dit dernièrement, sois sage. Sois sage. On va finir de t'accorder un pardon. On va te dire, sois sage. Toi, tu vas aller encore dans problème de foyer des gens. Nous tous, on parle et puis on a des limites. Mais tu vas aller jusqu'à diffamer, venir ternir l'image même de la famille d'Ali, au point où sa famille va sortir. Ce n'est pas parce que tu as allumé. Hein? Parce que ce que tu es en train de dire, c'est grave. Ça veut dire que Sérédi et puis José sont lâches. Ils n'ont pas le courage de venir parler eux-mêmes. Donc, c'est toi qui vas envoyer. Parce que tout le monde connaît tes affinités. Mais il faut prendre Yaka Yaka. Yaka Yaka a des affinités avec José et puis chose, comment on appelle, Sérédi. Mais quand il vient parler là, il ne vient pas affirmer des choses. Il vient donner des conseils. Il vient dire que ce n'est pas forcé de rester une femme qu'on n'aime plus. Il faut voir un peu comment Yaka Yaka il fait. Mais toi, tu vas venir toujours charger par là des gens, puis tu vas avoir problème. Marie, il faut arrêter ça. Ceux qui sont en train de t'encourager dans ça, ils ne t'aiment pas. Ils ne t'aiment pas. Il faut arrêter de te glorifier de ce tact-là. Parce que ça peut te porter préjudice. Donc ce soir-là, j'ai allumé ma caméra pour te dire, arrête ça. Toi-même, tu t'es mise dans beaucoup de choses. Tu t'es créé des problèmes et tu t'es retrouvé au tribunal. Ils ont prononcé parole de malédiction sur toi. Si aujourd'hui, Yaka Yaka est en train d'assainir les choses, toi, il faut rester tranquille. Tu es libre de parler, mais ne viens pas dire des choses qui vont te compromettre demain. Moi, j'ai fini. J'ai fini. Les first class, là, ils sont derrière toi. Au jour d'aujourd'hui, là, ils veulent te voir. Que tu t'occupes bien de ton enfant. Ils veulent voir cet enfant-là en bonne santé. Ils veulent te voir évoluer. Ton terrain que tu as eu à Abidjan, là, tu vas le construire dessus. Est-ce que tu comprends? Celui qui a les oreilles pour entendre va entendre. Moi, j'en ai fini. Oh. Si vous voulez, là, prenez-moi, braisez-moi. Mais Marie, je t'aurai parlé. Je te dis, arrête. J'ai fini. Oh. Je vais vous laisser. Sur ce, vous qui encouragez Aya Robert, là, vous n'êtes pas en train de l'encourager. Moi, j'ai fini de te parler. Oh, Marie,
Je t'ai donné mon point de vue en tant que grande soeur. Parce que je t'écris, tu ne réponds pas. Donc, c'est le moyen que j'ai trouvé pour venir te parler. Arrête, oh. Ce qui s'est passé avec ta star, ça doit te servir de leçon. Ce qui s'est passé avec Bleu, Brigitte, Yvie, Dero, ça doit te servir de leçon. À chaque fois que tu charges quelqu'un, tu as problème. Parce que là, la famille dit qu'ils ne vont pas laisser. Aline dit qu'elle ne va pas laisser. Et tu ne sais pas ce que tu as créé encore. Entre Serédi et puis Aline. Entre Serédi et puis la famille d'Aline. Tu ne sais pas. Et puis même José, même ses parents, même vont s'asseoir aussi sur elle. Parce que ça ne se fait pas. Moi, j'en ai fini. En bon entendeur, salut. Je t'ai parlé en tant que grande soeur. Maintenant, si tu n'aimes pas, si tu veux, viens me clasher. Mais j'ai fini de faire ma part. Sur ce, j'ai fini. Je vous laisse. Bye.